Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien. Mais hier j'ai décidé de me coucher, je voulais pas que ma journée finisse, que je savais qu'avant je me levais et puis ma journée était finie. Ouais, c'est ça. Mais j'ai passé une belle journée, même si c'était un lundi là, c'était vraiment le fun. Puis même si Lucas est allé se faire arracher une dent, parce que finalement, tu sais, quand même, il était brave, hein, mon petit mou. Vraiment. J'ai le plus beau farfaire ici. Radiographies. Ouais, c'est ça, là, la journée commence. Mon chum, il était supposé être en congé aujourd'hui, mais il faut qu'il travaille. Il va aller à l'école le matin. Mais après-midi, j'ai l'appel téléphonique avec le pédiatre. 14, maman! J'ai battu mon record! Ah ouais? J'ai l'appel téléphonique avec la pédiatre à 1h, mais après, mon chum, on va essayer de profiter du beau temps. On va essayer d'aller marcher. Fait que ça, matin, je vais avancer mes tâches. Là, déjà, je suis partie d'une brassée de lavage. Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'ai encore mis mon pyjama, je l'aime trop. Là, aujourd'hui, je vais le laver, là. Fait que... Oh non! Qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir Katia. On va aller s'occuper de Kato. Là, ben, les calus de bonne humeur. Et ils jouent au sel, justement, parce qu'on lui avait promis que s'il faisait bien ça. Mais c'est là, elle aurait fait arracher ses deux dents, elle aurait pour tout le temps le cellulaire. Ah, de quoi, là? C'est pas pour tout le temps? Ben, non, c'est pas pour tout le temps, elle l'avait dit. C'est juste pour hier. Si vous êtes hier, pas aujourd'hui, puis ça va être aujourd'hui, puis demain. Tu dois être fière encore de toi, hein? Tu dois ressentir plein de fierté encore, hein, mon amour. On va changer la couche à Kato. Allô, Kato! Bon matin! On change la couche? Couche-toi, on va changer ta couche. Oh, t'es fine, mais couche-toi! Bon, Lucas est parti à l'école, Lucas est parti à l'école, mon chum est parti au travail. Là, j'ai fait du ramassage, du lavage. Puis là, j'ai parti mon lave-vaisselle, puis là, je m'assieds, je fais un montage avec mon nouveau sel. J'ai hâte de voir comment ça va aller, comment ça va sortir. Puis, ben, ensuite, je vais avoir la linge à l'étendre. Je vais essayer de m'arranger un peu. C'est que ça va passer vite. Ça passe tout le temps vite. C'est ça, là, ça avance. Ils m'ont déjà... Ben, l'entreprise La Mé Saint-Pierre, là, ils m'ont déjà envoyé l'image du cabanon qu'ils feraient à Katia. Là, ils disent qu'il faudrait qu'il y ait vraiment la couleur et la teinte de toiture qu'on veut, puis qu'ils seraient prêts à procéder. Puis là, il me semble que ça va vite. C'est que c'est vraiment mignon, la petite cabane. Il va y avoir comme deux fenêtres chaque bord de la porte. Donc, il n'y aura pas de fenêtre dans la porte. Mais ça, si je tiens à en avoir une à m'amener, ben, on avait gardé la fenêtre de l'ancienne porte de cave. On l'avait gardé, puis en plus, ça sauve. Fait que ça, maintenant, on décide. Mon chum dit que c'est facile à installer, là. Fait qu'il serait capable de le mettre plus tard si on décide. Mais elle est vraiment mignonne, les deux petites fenêtres à chaque bord de la porte, puis fait que c'est ça. Fait que là, il va falloir que tantôt, juste à mon chum, qu'on check vraiment la couleur de bardo, parce que. Excusez, je suis vraiment fatiguée. La toiture, ça va être à changer. On voulait le faire l'année passée, mais on décide d'attendre une année. Je sais pas finalement si on va le faire cette année. Je sais pas mon chum ce qu'il va faire avec ça. Mais ça, on se fiera pas à la couleur qu'on a déjà, parce que je veux pas garder la même couleur qu'on a, mais ça va être de la même teinte, sûrement un petit peu plus foncé, là. C'est pas noir, mais genre brun, là. Parce que là, on a lune de miel, c'est comme un dégradé de brun et beige, la toiture. Mais ça, genre, on donnera pas la même couleur, parce qu'on gardera pas ça, là, c'est sûr. Fait que, bon, mon chat Mario, enfin, j'ai dit ça. Fait que ça reste spécial. Puis c'est ça, je voulais vous montrer. Alors, excusez. Oh, là, je suis vraiment fatiguée. C'est pourtant que j'ai quand même bien dormi cette nuit. On dirait que là, la fatigue a accumulé, que j'ai pas dormi beaucoup la semaine passée. Ben là, elle ressort plus, ça. Puis là, regardez le petit cadeau que j'ai eu, que ma soeur est venue me porter hier. Dans le fond, c'est mes deux soeurs, Marie et Jacinthe, qui m'ont donné ça. Mon chum avait acheté le bracelet Pandora. Mais ça, mon chien, la petite breloque en cœur. J'aime ça, je n'avais pas de breloques, j'avais juste comme des boules. Moi, j'aime ça quand ça pend, justement. Fait que là, j'ai une nouvelle breloque. Je sais pas si vous la voyez bien, mais je la trouve tellement belle. Puis l'année passée, il m'avait donné cette bague-là, je sais pas si vous vous rappelez. La bague Pandora.
Là, ça fait un beau lien. Hey, puis je savais pas. Justement, je trouvais que mon bracelet était terne. Puis j'étais là, voyons, pourtant, je comprends pas, c'est du Pandora, ça vient comme moins beau, là. Mais là, j'ai su que. Voyons, oh, je l'ai mis. Ah, c'est ça, OK. J'ai su que la petite étui, là, qui met le bijou, dans le fond, tu t'en sers après pour frotter ton bijou. Puis je l'ai faite, puis comme je trouve que mon bracelet a pris de l'éclat, même la bague. Ma bague, je trouve finalement, elle a pris de l'éclat aussi. Fait que je savais pas, j'ai appris ça. Fait que c'est ça, c'est un mec qui savait pas, ben je vous le dis, ça, pratique à savoir, ça vient beau là. Ça revient tout brillant, en tout cas. J'ai hâte d'avoir l'appel avec la pédiatre quand c'en est Katia. Puis là, ben là, elle m'a annoncé qu'elle prend sa retraite. Sans ça attendait que ça s'en venait parce que tu sais, elle était quand même âgée. Fait que là, ben c'est ça. Tu sais, c'est sûr que. Je l'aimais beaucoup, elle nous a, tu sais, même, elle était quand même, comment je dirais ça, donc. Tu sais, je l'aimais beaucoup, là, même ça avait comme, pareil, une personnalité spéciale, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'elle nous a suivi dans tout, le long avec Katou, toutes les étapes qu'on a passées avec. Tu sais, j'ai pleuré souvent dans son bureau parce que Katia, mettons, elle dormait pas, on n'en pouvait plus, puis en tout cas, elle m'a annoncé qu'elle prendrait sa retraite, mais pas m'en faire. Parce que Katia va être relayée au CHU, de toute manière. Elle est déjà suivie par les sur-spécialistes au CHU. Fait que s'il y a quelque chose d'autre, tout de suite, ils vont me référer. Puis si je veux qu'elle soit en pédiatrie, ils vont faire le lien. Il n'y a pas de m'inquiéter. Mais c'est triste, pareil, de réaliser que là, elle qui nous a suivi, elle m'a suivi pour mes grands, puis tu sais que là, elle sera plus. Elle prend sa retraite, je suis contente pour elle. J'ai dit, ah, oh, j'ai souhaité une belle retraite, tout ça, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement touchée, là. Là, je pleure au téléphone, puis je pleure encore. Elle tenait à nous féliciter, puis nous dire de pas lâcher, qu'elle, elle sait. Elle était témoin de tout l'amour, qu'elle n'a pas manqué d'amour, puis si on n'aurait pas été là pour qu'elle tout, on l'aurait pas aimé comme ça, puis arrête. Elle sait qu'elle n'a jamais franchi toutes les étapes qu'elle a franchies, comment qu'elle a évolué. Et que là, ça me touche, là. Ça me touchait qu'elle me dise ça, là. Elle dit, tu sais, on aurait été une famille dysfonctionnelle, là. Comme qu'elle en connaît d'autres, qu'elle voit pas, qu'elle a vu, puis qu'elle voit. Elle dit, qu'elle n'aurait jamais évolué de même, elle serait pas où ce qu'elle est rendue. Parce qu'elle dit, c'est sûr, l'amour qu'on a pour elle, elle ressent. En tout cas, ça m'a fait de la peine. Ça m'a tellement dit des belles choses, là. Fait que c'est ça. Fait que la pédiatre s'en va comme pour Lucas, je sais pas trop ce que ça va faire. Moi, il t'a suivi aussi. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire. Fait que en tout cas, je vais essayer. Je vous ai pas parlé beaucoup un matin, j'ai fait du ménage, ce genre de choses, montage en tout cas. Mais là, je vais essayer d'aller marcher. Mais là, avant de rentrer, mais il faut aller au Walmart chercher médicaments à Katia. Mais en tout cas, ça m'a vraiment touchée les paroles qu'elle m'a dit. Puis tu sais, ça me donne une confiance, tu sais, qu'on a fait, on fait la bonne chose avec Katia. Elle a dit, je suis pas obligée de vous le dire, je serais pas obligée de vous dire ça, en plus, ça. Elle dit, si je le dis, c'est parce qu'elle dit, je le pense vraiment. Fait que c'est ça. Fait que, je vous reparle. Bon, on est à la pharmacie. On est acheté médicaments à Katia. Et là, ça augmente. C'est vrai que la dose augmente, mais le prix aussi. Ça a coûté 96$. Rien que son Keppra. Bon, c'est trouvé une belle horloge. Je suis contente depuis le temps que j'en veux une. Je vais vous montrer. Je suis vraiment contente d'avoir enfin une horloge. Je ne sais pas, on va savoir l'heure. On l'a trouvé où elle marche. Katia est revenue! Mmh. Puis tu t'embarquer dans l'auto? Parce que là, on s'en va en auto. On va aller chercher de la marinade pour le filet mignon à l'épicerie. Hein, Katia, t'es contente de retourner en auto, hein? Ouais. T'es belle. Ouais, t'es belle. On est rendu à l'épicerie. Ça me fait tellement rire, gars. Elle veut le contact, elle vient me chercher, là. Je trouve ça tellement mignon, là. Est-ce que je trouve ça mignon? Tu veux ma main? Tu sais, autant qu'elle est mignon quand je vais la chercher, quand je vais la porter, mais quand je suis dans l'auto, qu'elle veut mon contact, ben, ouais. Tu sais, c'est sûr que n'importe qui serait assis en avant, voudrait le contact, là. C'est pas parce que c'est moi, mais à ce moment-là, pareil, elle veut le contact, puis je suis contente de voir ça, puis c'est drôle, c'est le fun. Tu sais, elle réalise qu'il y a du monde qui existe, là. Hein, Katou? Bébé d'amour. T'as-tu une belle journée? T'as-tu une belle journée à l'école? Qu'est-ce que t'as fait à l'école? As-tu fait du vélo aujourd'hui? As-tu fait du vélo aujourd'hui? On a su que ta pédiatre, là, elle va prendre sa retraite. Qu'elle ne t'avait plus sa pédiatre. Non.
Non, non. Happy chum! Happy chum! Puis ça, je vais vous dire, on est allé au Winners. Winners ouvrait, nous autres aussi. Puis on a dit, on va aller voir. Fait que là, on était contents, mais ça faisait pas de fil. Fait qu'on vient pour rentrer à la porte extérieure, mais là, on se fait repérer de bord. Et il nous dit qu'il faut rentrer par le mail. Hein, Kato? Oui. Parce qu'il nous dit qu'il faut rentrer par le mail. Il fallait rentrer par le mail parce que la porte, là, c'est la porte pour sortir du magasin. Mais tu sais, j'ai trouvé ça spécial, l'accueil. Tu sais, on est tout content de rentrer, mais finalement, on se fait tout revirer de bord, puis il faut rentrer par le magasin. Puis là, on a dit, on va aller voir, finalement, fait qu'on rentre par le magasin. Mais là, ça faisait la file, il y avait une file d'une heure avant de pouvoir rentrer. Fait que là, j'ai ouvert le bord, ça me tentait pas d'attendre une heure pour aller au mes Winners. On aura la chance d'y retourner, là. Fait que c'est ça. Là, ben, mon chum est installé l'horloge, mais j'ai pas vu encore parce que j'attendais Katia, moi, qu'elle arrive. Fait que je vais aller voir tantôt, mais je pense que ça va être beau. Parce qu'on était souvent dans le spa, puis ça faisait des années. Une autre affaire, ça faisait longtemps que je voulais une horloge, là. Avant, Katia, on avait une après sa petite cabane, dehors. Puis on aimait ça, si on jouait, mettons, dehors, on voyait l'heure, tu sais, on savait quelle heure qu'il était. Puis là, ben, c'est ça, ça faisait longtemps que j'en voulais une dans le spa, parce que des fois, on est dans le spa, puis là, tu sais, des fois, on se dit, ah, il est quelle heure? On a un service fait qu'on aurait voulu savoir l'heure, puis il n'y avait pas moyen. Puis là, on va l'horloge en face, on va le savoir, on peut encore plus profiter. Tu sais, des fois, mettons, on le faisait l'après-midi, on voulait aller chercher Katia, savoir l'heure pour débarquer, moi, chez Katia. Mais là, c'est ça, en tout cas. Fait que ça va être. On va l'avoir finalement. Ça faisait longtemps, ça, c'est quelque chose que je voulais. Fait que ça, ça va savoir fait. Hein, Katia? On va mettre de la musique, Katia? Katia, musique? Fait que là, on va manger du bon filet mignon sur le barbecue. Ça va être bon! Regardez, je vous montre l'horloge, comment c'est beau. Ça va être beau, hein? Quand on va être dans ce pot, on va bien voir. On va bien voir l'heure. C'est sûr que j'aimerais peut-être avoir des crochets aussi pour accrocher des serviettes. Je sais pas trop, là.